Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter une porte secrète. Donc, le système est simple. En fait, il y aura 4 blocs qui vont se rétracter vers l'arrière et qui seront ensuite rentrés dans le mur, comme ça. Voilà, donc c'est un système assez simple si vous êtes bien attentif pour cette belle vidéo que je vais vous présenter. Donc, j'ai fait les mêmes portes, hein. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tous les mêmes. Vous pouvez cacher un coffre et voilà, y ressortir par là même. Voilà. Donc c'est un système très simple à camoufler. Voilà. Donc même principe, hein. Vous rentrez, sortez. Donc là, je fais avec un levier. Et je peux aussi faire avec des boutons, enfin voilà. Donc je vais vous présenter ça tout de suite en posant 4 pistons collants comme ceci. Ensuite, vous allez laisser un espace de 4 blocs, donc 1, 2, 3, 4. Et au cinquième bloc, vous allez poser un piston collant, 2 pistons, 3 pistons et 4 pistons. Comme ça, donc voilà. Donc en gros, ils se regardent entre eux, hein, voilà. Ensuite, vous allez poser un piston qui regarde vers la gauche, comme ça, enfin vers vous, comme ça, voilà. Ensuite, vous allez derrière les pistons, vous allez mettre 3 blocs comme ça, encore 3 blocs, et encore 3 blocs. Hops. Et voilà, vous allez mettre 2 repeaters placés à 4. Vous allez relier par de la redstone. Voilà. Ensuite, vous irez derrière les autres pistons collants. Vous irez mettre 3 blocs comme ce qu'on a fait sur les autres pistons. Comme ça, voilà. Vous allez mettre encore 2 répéteurs posés à 4. Ensuite, vous allez les relier avec de la redstone qui, par la suite, vous allez rajouter. Pour n'importe des deux, hein. Vous pourrez aussi bien rajouter là que là, enfin, mais pas les deux en même temps. Donc, vous allez rajouter 3 blocs comme ça, voilà. Vous allez mettre ces 3 blocs là, voilà. Vous allez poser un répéteur de redstone au premier cran que vous allez relier avec de la redstone, si ça marche, ça marchera pas avec de la chair putréfiée, bien entendu. Voilà, ensuite vous allez poser de la redstone là. Ensuite, vous allez poser deux blocs, voilà, comme ça, qui vont faire. Vous pouvez mettre en dessous là aussi, hop, là aussi, et vous allez faire encore un étage. Voilà, donc vous pouvez faire la même chose avec l'autre. Ça sera symétrique. Ça sera joli. Voilà, qui vous allez relier comme ça. Et ça vous fait une belle pyramide. Non, non, sans déconner. Donc voilà. Ensuite, vous irez poser encore des blocs jusqu'à compléter comme ça. Voilà. Vous allez mettre des blocs ici et ici, ça nous en fait des blocs. On est monté à bloc pour cette vidéo. Blague de merde. Bref. Vous allez ensuite faire monter la redstone en haut et vous allez faire un carré comme ça. Voilà. Donc c'est censé vous donner ça. Voilà. Ensuite, normalement, c'est prêt, mais il y a un problème, c'est que la porte reste ouverte, donc pour la fermer, c'est tout simple, hein. Donc vous allez par exemple, moi je vais faire relier la redstone comme ça, non, comme ça, voilà, comme ça, c'est très bien, voilà, non, vous allez poser un bloc là et un bloc là, vous allez casser la redstone ici, vous allez mettre une torche de redstone, de rechaude, hein. De redstone, non, sans déconner. Vous allez mettre,
face à la redstone qui est reliée au ça là. Et vous allez casser ça, vous allez mettre de la redstone qui est reliée. Voilà, et normalement ça vous pousse les blocs. Et si on relie tout ça par de la redstone, donc comme ça, voilà, et vous mettez un levier ou un bouton ou une pressure plate, ou je vais prendre un levier, hop, voilà. Ensuite, le poser là, ça fonctionne très bien. Donc, après, vous avez juste à camoufler, hein, donc. Vous pourrez par exemple poser. Où sont mes blocs d'ailleurs? Hop. Voilà. Vous pourrez camoufler comme vous voudrez avec les blocs de votre choix. Hop. Mince. Bien évidemment, vous pourrez cacher la redstone. Oh là là. Vous pourrez cacher la redstone en dessous de la terre, du sable et autres matières. Voilà, hop. Je galère un peu, voilà, j'ai changé le cran du répéteur, voilà, voilà, et vous pouvez tout camoufler, hein. Franchement, ça fait quand même un circuit imposant, mais qui en vaut vraiment le coup, hein. Ça vaut le coup. Donc moi, je vais juste, donc voilà, ça donne ça en fait, hop, voilà. Oh, un beau creeper nous attend derrière cette porte. Donc, je vais mettre le jour. Et attends, je vais tuer tous ces monstres là. Hop. Ah, un instant. Je vais tuer tous les mobs en faisant kill slash kill all. Voilà, ça les tue tous, voilà, c'est très bien. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, pour cacher les inverseurs de redstone, je vais vous montrer ce que j'ai fait là-bas. Donc on voit pas les inverseurs car ils sont bien évidemment cachés en dessous pour plus de sécurité. Non, je déconne. Pour plus d'œufs, non. En plus de merde, je ne trouve pas les mots. De discrétion, voilà, j'ai trouvé. Voilà, en gros, le. Voilà. Je m'en mêle ma langue. Les quoi? Les inverseurs, voilà. Donc, moi, les inverseurs, j'ai mis là en dessous. Que j'ai relié à une plaque de pression. Donc voilà. Et donc j'ai fait un beau design. Hein. C'est tellement beau. Et voilà, donc ça fait un beau design. Et j'ai mis un garage à vélo. Voilà. Non. Non, c'est. Je ne savais pas quoi faire de cet espace, donc. Bon, on va dire que c'est un vélo, ça. Voilà. Ou une voiture. Enfin bref, oui. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les portes secrètes. Enfin, la porte secrète. Qui peut être secrète en cachant par exemple dans une montagne, hein, dans les reflets de montagne ou. Voilà, donc tous les fails. Voilà. Trois fails en un. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine et bye bye!